un nouvel épisode dans ce qui est devenu le feuilleton du Mexit. Le feuilleton du couple princier Harry et Meghan qui secoue Buckingham Palace depuis mercredi soir. La reine a tout simplement décidé, Johanna Chabas, de convoquer une réunion de crise demain avec son petit-fils, le prince William, et leur père. Oui, et même Meghan pourrait participer en restant au téléphone. Avec cette réunion, la famille royale espère trouver des solutions à cette situation totalement inédite. Harry et Meghan veulent prendre leur distance, mais Cassie en est certaine, la famille royale n'est pas prête à les laisser partir. Ils vont essayer de les gérer et contrôler la distance qu'ils prennent avec la famille royale. Peut-être pas en les gardant près d'eux, mais en continuant à faire pression sur eux. Alors, quel titre princier pour le couple? Où vont-ils habiter? Qui va payer pour leur sécurité? La famille royale va devoir trouver des réponses. En tout cas, Dan, fan de la royauté, se pose plein de questions. Il faut se demander ce qui va se passer après. Je veux dire, il peut perdre son titre d'un point de vue légal, mais il sera toujours le prince Harry. Donc ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils vont devenir comme les Kardashians, des stars de télé-réalité, parce qu'ils vont toujours être dans la presse? Ce qu'il espère vraiment, c'est que la famille royale ne va pas se déchirer. Dans la presse ce matin, le prince William a déjà déclaré avoir pris des distances avec son frère Harry et qu'il ne pourrait plus le protéger comme avant. Johanna Chabas, correspondante d'Europe 1 à Londres pour ce énième épisode, et ce n'est pas fini visiblement.